Eh bien, on va donc terminer cette journée avec l'intervention du professeur Duprat. Alors, merci Laurent, parce que votre dernier débat avec Christine, vous m'avez ramené à la thématique à laquelle maintenant je voudrais vous... C'est l'ambivalence. L'addiction, c'est... Pour certains, c'est faire un voyage. Pour d'autres, c'est, comment dire, c'est se rompre le cou. Pour certains, c'est aller au désastre. Et dans tout ce qui a été dit aujourd'hui, moi, j'ai essayé de faire une petite analyse un petit peu, me mettre un petit peu en retrait du caractère complètement médical et d'avoir peut-être plus une analyse sociétale ou philosophique, on va dire philosophico-philosophique. Et c'est vraiment ce caractère d'ambivalence, je trouve, qui résumerait mieux l'ensemble des débats. D'abord parce que le toxique, c'est ambivalent. C'est un vrai rêve. Et c'est en même temps un vrai poison. C'est la société. Imaginez qu'il y a encore quelques années, l'État français était producteur de tabac par le biais de la CEITA. Et Dieu sait ce qui touchait comme royalties. Et puis, regardez les taxes sur le vignoble, sur les vins, etc., etc. Et puis, le nombre d'expériences qu'on met en place pour essayer de prendre en charge des gens qu'on a intoxiqués avec des produits dont on a fait la publicité, de partout. Vous voyez ce que je veux dire ? Le consommateur qui est ambivalent, c'est ce que rappelait Laurent tout à l'heure dans les modèles transthéoriques, hein, cette ambivalence. C'est-à-dire je veux et je veux pas à la fois, qui est complètement caractéristique d'ailleurs de l'adolescent. Et puis cette ambivalence dans le soin, ça marche et ça marche pas, et ça marche pour certains et pas pour d'autres. Et dans toute la rigueur de l'intervention de Laurent, on voit quand même l'intérêt de ces interventions brèves, des actions que nous menons, et puis que la société nous demande de mener alors qu'elle a tellement... pousser les gens à consommer. Vous voyez, ambivalence, ambivalence. Alors, si on reprend les différentes interventions qui ont été faites ce matin, celle de Christine, qui nous a parlé de la prévalence. Est-ce que vous vous rendez compte, demain, quand vous allez être installé, le nombre de patients addictés que vous allez voir, à qui vous allez demander dans vos antécédents, est-ce que vous fumez? Et combien, parfois et quoi? Et chez qui on aura oublié de dire « Eh tiens, qu'est-ce que vous buvez ?» etc., etc. Donc, de nouveau, cette ambivalence dans l'épidémiologie. Le docteur Berger, qui nous a rappelé ce matin, cocorico, que chez nous, les jeunes, ils fument le plus de cannabis en Europe. Bon. Mais par contre, qu'il y a une diminution des expérimentateurs. Ça veut peut-être dire quand même que la prévention, ça peut marcher. Souvenez-vous, la prévention, cette belle branche de la santé publique, des compétences de médecine générale. Je vous demande d'y faire attention. Docteur Berger aussi, qui nous rappelait l'accueil des 12 ans dans des structures à part. Or, quand on prend les courbes de l'OFDT, on s'aperçoit qu'avant 12 ans, il n'y a quasiment pas de consommation de toxiques chez les ados. Et entre 12 et 14 ans, ça augmente de manière... Ça bondit après 14 ans, et alcool, substance psychoactive, les deux courtes sont complètement superposables. Toujours nos petits ados, et la prévention, ambivalence. Mais je ne sais pas si j'ai le droit, moi, en tant que docteur, de commencer à parler de ça avec un 10-12 ans. Ouais, mais le problème, c'est qu'entre 12-14, il est déjà possiblement indiqué, alors si tu y avais pensé avant... Tu n'aurais peut-être pas eu besoin de l'intervention brève dont on ne sait pas si elle marche. Oui, ambivalence. Le docteur Deslandes, ah oui, puis juste avant, on nous avait parlé aussi de légalisation et dépénalisation du cannabis festif, du cannabis médical, puis il y a le cannabis du milieu. Docteur Deslandes qui nous a rappelé quand même que si les gens ils mangent des benzodiazépines, même s'ils l'ont piqué chez les parents, c'est qui les a prescrits? Toi. Ben c'est nous, hein, quand même. Donc, Puis après, il va falloir qu'on les sèvre. Alors c'est vrai, est-ce qu'on aurait pu, par exemple, ne pas les prescrire? Là, on est moins dans l'ambivalence, on est dans l'action, la décision. Et ça, c'est vrai que je vous rappelle, la décision, c'est quand même plutôt le monde des adultes. Si plus,
Après les magnifiques études du docteur Kinwani, très intéressant, même si c'est un peu en préprandial, mais qui montre quand même que là, il y a beaucoup d'ambivalence. Quand elle dit, j'ai noté sa phrase, il faudrait que je la retrouve. Ah, je l'ai perdue. Oh non, c'est juste pas possible. Ah oui, qu'en fin de compte, que pour le vapotage, il y en a beaucoup qui essaient, mais il y en a peu qui l'utilisent. Ça paraît rien vouloir dire, on dirait presque du déproge. Et puis en fin de compte, non, on se rend compte qu'on peut trouver quelque chose, mais voilà. Après, docteur Kana, qui nous a expliqué, alors là, moi j'ai bien aimé que, quand même, il fallait qu'on ait une stratégie d'offre plurielle. Et ça, je crois que c'est intéressant, parce que vraiment, on est en pleine approche centrée sur le patient, là. C'est plus ambivalent. Hein, c'est-à-dire qu'un patient, eh ben, en fonction de comment on va l'analyser, comment il va se présenter à nous, peut-être qu'à ce moment-là, on va pouvoir lui proposer des techniques différentes. Et en plus, il les a qualifiées d'évolutives et en plus pluridisciplinaires. Et puis que les réseaux qui fonctionnent bien, c'est ceux qui viennent du terrain. On n'est plus dans l'ambivalence, on est dans la vraie proposition. Et puis ça nous introduisait complètement à l'intervention suivante des infirmières azanées qui nous expliquaient que la collaboration interprofessionnelle, ben ça marchait, c'était nouveau. Mais par contre, il fallait que... Une infirmière azalée toute seule, ça ne sert à rien s'il n'y a pas un patient azalé. Et puis ça ne sert à rien s'il n'y a pas un docteur azalé. En gros, c'est une forme de combinaison azalée. Et parce qu'on est tous ensemble autour du patient, sur le même dossier, ben là, ça permet d'avoir des retours. Et là, c'est intéressant parce qu'il y a aussi de la recherche qui est en cours. Frédéric, qui nous a montré du vrai vécu. Hein. Un vrai docteur d'institution qui interview un vrai docteur libéral. Et il nous a montré un petit peu les manques, mais la réalité du terrain, ambivalence entre ce que souhaiterait l'institution, c'est-à-dire une optimisation, et puis la réalité du terrain, la difficulté de prendre ça en place. Après, Laurent, ben, tu nous as rappelé l'ambivalence du modèle transthéorique avec ces patients qui aimeraient mais qui n'aimeraient pas, qui voudraient mais qui ne voudraient pas, qui comprennent bien mais qui ne voudraient pas autre chose, qui viennent se faire soigner et puis qui viennent plus se faire soigner. Alors ça, je crois que c'est important. Et puis nous, les professionnels, notre ambivalence, mais un peu comme dans la société, parce que vous savez comme moi quand même, l'addiction, c'est tous les milieux sociaux, tous les milieux de revenus, les beaux quartiers comme les moches. Les bien habillés comme les mal habillés, les gens qui ont des appartements comme les gens qui sont dans la rue, hein, c'est une vraie ambivalence parce que ça nous ramène à notre propre ambivalence. En fin de compte, ce petit verre, je ne bois pas. Et puis, vous avez appris mardi dernier qu'il y avait quand même les situations à risque, les consommations à risque qui peuvent faire glisser. Alors, je crois que ce mot ambivalence, j'aimerais bien que vous le gardiez parce que on pourrait se poser la question à l'envers. Enfin, Christine, si tu nous as dit qu'il y avait autant de gens qui fument, un peu tout et n'importe quoi, qui boivent, qui font du sport à outrance, moi je prends toujours le wingsuit, vous savez, ces gens qui font la chauve-souris, là, il n'y a plus personne qui veut les assurer. Qu'est-ce qu'il y a encore ? On nous a parlé d'addiction au sucre. Mais s'il y a autant de gens qui sont addictés, d'abord, pourquoi est-ce qu'il y a autant d'addictants ? Mais c'est vrai que ça rapporte un peu des sous. Et puis d'autre part, mais est-ce qu'en fin de compte, on pourrait se poser la question, mais pourquoi est-ce que les gens s'addictent ? Et puis peut-être que si les gens s'addictent, ils ne trouvent pas dans la société ce qui leur permettrait de ne pas s'addicter. Alors imaginez que si on était moins ambivalent et que tout d'un coup, on mette tout l'argent ambivalent, qui est collecté dans les addictions, à promouvoir des situations qui ne seraient pas addictogènes. Enfin, non, excuse-moi, je rêve. Voilà. Mais par contre, moi, ce que j'ai entendu, c'est ce que tu disais, Christine, c'est qu'on pouvait avoir des interventions, parce qu'il ne faut pas quand même se décourager, sinon ça servirait à quoi qu'on fasse une journée où il y ait autant d'intervenants.
qu'ils ont expliqué quand même qu'il y avait des interventions et qu'il y avait des mesures qui étaient en train de se mettre en place, qu'il y avait de nouvelles interventions qui allaient se faire parce qu'on faisait de nouvelles études. C'est très intéressant d'ouvrir tout ça. Mais par contre, ça veut dire qu'on réussit mieux quand on arrive à cibler des gens motivés. Ça, c'est quand même intéressant. Ça se montre un peu. Et puis surtout, ben, vous vous rendez compte, et moi là, j'en resterai surtout là en conclusion, c'est que moi, dans tout ce que j'ai entendu aujourd'hui, ça m'a encouragé à prendre ces gens en charge, à essayer de les prendre en charge, de leur proposer une aide. Ça m'a encouragé à peut-être mieux m'ouvrir dans ma manière dont je vois la... Allez, on va dire la même chose, la toxicologie, avec peut-être un petit peu moins de représentation. Mais surtout, ça m'a confirmé qu'il faut vraiment qu'on soit dans nos vraies compétences de médecine générale, certainement du soin, mais certainement de l'information et certainement de la prévention. Et je pense que si chacun d'entre nous, les professionnels bien sûr, mais la publicité, les professionnels, nos gouvernants, faisaient des campagnes d'information et de prévention massives, d'abord, on aurait peut-être plus de facilité à faire relayer le message. Et peut-être qu'à ce moment-là, nouvelle thèse, on pourrait essayer de voir si ça marche mieux, autant, je ne sais pas. Voilà. Je n'embolise pas plus. Mais ce que j'aimerais, c'est que vous vous posiez une question par rapport à ces patients que nous suivons et qui sont dans une forme de détresse. Et là, je ne vous demande pas d'aller dans la sympathie, mais de vraiment rester dans l'empathie. Quel est le soin qu'on va leur proposer ? Comment nous allons le proposer, seul ou avec d'autres professionnels. Et je pense que si on y met tous la main, on devrait à peu près quand même s'en sortir, mais il faudra le mesurer. Je te rends le micro. Merci beaucoup, Christian.